J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce tirage de vie sentimentale pour la période qui concerne la période mi-mai jusqu'à la fin juin. Donc, vie sentimentale, comme vous le savez, je le répète, je sais à chaque fois, mais je pense qu'il faut que je le fasse. C'est nécessaire. Donc, vie sentimentale, c'est la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur. Ça peut être le fait que vous soyez donc aussi séparés, divorcés. Et donc, vie sentimentale, ça concerne aussi, point de vue toujours hein, des émotions, ça peut concerner donc par rapport à quelqu'un de la famille ou des amis. Voilà pour les petites indications. Et puis, plus particulièrement au niveau du jeu, on a ici la carte qui concerne l'ambiance. Ici, c'est le présent. Ici, c'est les obstacles, les épreuves, ou alors ce qu'il y a à développer par rapport à ce qui est vécu dans la période donnée. Et ici, c'est l'évolution de la situation. Cette carte-là concerne donc la carte conseil. Et donc, j'en viens à votre tirage plus particulièrement, où vous avez vu dans la partie de la vidéo qui concerne le tirage, vous avez vu qu'il y a deux cartes qui ont sauté et que je vais interpréter immédiatement avec la carte d'ambiance, qui est la carte de la mort qui est renversée. Et cette carte me parle donc en fait de phase de transformation importante et donc une phase de renouveau. Qui est vécu dans la lenteur, qui est une phase de réconciliation, je pense, avec soi au point de vue des émotions, des sentiments, de la valeur que vous apportez à, justement à ces sentiments que vous vivez, ces expériences du passé notamment. Et puis, on en arrive avec cette carte qui a sauté, la carte du présent, avec l'autre carte qui est la carte de l'amante et qui est à l'envers. Et donc ces deux cartes m'indiquent qu'il y a une transformation, justement, un changement au point de vue des valeurs que vous avez par rapport à l'expression de l'amour. Ici, avec ces deux cartes, on parle, je pense, d'échec qui est constaté. Là, maintenant, dans l'immédiat, au moment présent, parce que ce qui a été vécu, justement, par le passé ne vous apportait pas d'épanouissement, de joie, de bien-être, parce que la carte de l'amante parle de relations où, de toute façon, il n'y a pas d'engagement. Le seul engagement, en fait, c'est vis-à-vis de soi-même, c'est plutôt je donne de mon physique, mais je ne donne pas mes émotions. Je garde mes émotions pour moi. Je ne donne que mon physique et donc l'aspect charnel uniquement. On n'est pas du tout, donc, comme vous l'avez compris, dans l'échange, la transmission, l'affection, etc. Par contre, dans ce qui est maintenant sur ce point présent, là, on entre dans ce qui est justement tout l'inverse de cette carte-là, de l'amante, qui est justement j'ai envie de quelque chose de durable, de solide, de vrai. Donc c'est la carte de l'amante qui représente ce présent pour la période en question. Et qui parle du besoin de sentiments vrais, d'engagement, d'intégrité, de loyauté, de durabilité, de communion, d'échange, de partage. Donc, vous voyez, il y a plusieurs termes qui viennent comme ça et de manière très spontanée. Et c'est vraiment ce que vous recherchez là maintenant, puisque vous avez vécu l'inverse. Apparemment, sur le passé, hein, avec la carte de la mort,
renversé. Et donc, dans le point des épreuves et d'obstacles, quel que soit le mot que vous mettez dessus, je pense qu'on vous dit de développer justement avec les sœurs, de développer ce qui vous fait défaut, ce qui vous a fait défaut antérieurement, c'est-à-dire de développer toute la tendresse, toute l'affection, notamment qui vous manque, mais que vous savez que vous savez donner, vous savez partager, vous savez toutes ces choses, toutes ces émotions, vous savez le faire, vous savez les mettre en évidence, vous savez les faire vivre, vous avez toute cette grande sensibilité en vous. Notamment, c'est ce que souligne cette carte. Simplement, pour l'instant, en tout cas ces derniers mois, vous n'avez pas eu peut-être la possibilité de les exprimer et ils ont été mis de côté, peu importe. Là maintenant, ce que l'on vous dit au travers de cette carte, allez-y, exprimez-vous, donnez toute la tendresse. Que vous savez pouvoir donner et aussi non seulement donner, mais accepter de recevoir. C'est très important pour qu'il y ait cet échange, cet équilibre qui s'installe dans votre vie, dans votre cœur et même, je dirais, dans votre esprit, pour qu'il y ait cet équilibre, cette sérénité, cette paix qui puisse s'installer en vous. Et pour la carte qui représente l'évolution, on a la carte de la prétendante, qui dans ce sens, dans ce jeu, est totalement positive. Et donc c'est une carte positive, hein, d'une manière générale, de toute façon. Et là, elle vient souligner le fait que dans l'évolution de ce qui a été développé, il y a cette continuation de recherche. D'opportunités, que vous êtes à l'affût, hein, entre guillemets, à l'affût de pouvoir exprimer cette sérénité, cette sensibilité et cette capacité à donner et à recevoir au point de vue des sentiments, et qu'il y a qui s'installe donc une très grande confiance en vous, donc de l'assurance que vous êtes. Que ce qui dé se dégage de vous, c'est donc de l'assurance, que vous êtes convaincante aussi dans votre manière de vous exprimer aux autres ou à l'autre, et aussi que vous êtes déterminée. Voilà. Il y a, entre guillemets, je dirais, comme si vous vous étiez programmée pour réussir. Et ça marche. Donc voilà, c'est très très bien. Ensuite, sur la carte conseil, on a la carte 5 qui dit suivez votre propre rythme. Eh bien, donc cette carte conseil vous indique, comme elle le dit très bien, suivez votre propre rythme, laissez-vous faire, ne forcez pas les choses, laissez votre intuition, votre façon de voir, votre vision des choses s'installer petit à petit. Et puis, si vous sentez qu'il y a un peu plus d'efforts à faire en avançant beaucoup plus vite, je veux dire, eh bien, laissez-vous faire aussi. Il n'y a pas d'erreur, en fait, hein. La vie peut vous pousser pendant un temps. À agir beaucoup plus vite, beaucoup plus de manière plus puissante, de manière plus directe, et puis le temps d'après, à ralentir, à profiter, vous mettre un petit peu en retrait, à accepter de recevoir et de renoncer à agir tout le temps. À tout le temps être dans l'action et accepter de ne plus ou de ne pas, c'est plutôt le mot, de ne pas être dans l'action, mais plutôt
Je cherche le terme parce que je viens de le dire en fait, mais je cherche la bonne formule. Je ne sais pas si je vais trouver, donc je vais plutôt vous le dire comme ça. Simplement, accepter d'être. C'est tout. Voilà, cher taureau. Donc, je vous conseille d'aller voir votre signe de Vénus, votre signe de lunaire, pardon, et puis votre ascendant. Pour accueillir d'autres messages qui peuvent vous concerner, vous aider dans votre évolution, dans votre processus. Voilà, je vous remercie, cher Taureau. Je vous dis bonne continuation. À très bientôt. Au revoir.